Et bonsoir, bonsoir à tous. Nous aussi, nous voilà le mercredi avec du Flight Simulator. Si le son du jeu arrive à se mettre. Voilà, exactement. On va pouvoir couper le son de la musique. Hop. Avoir le doux son de Flight Simulator. Donc, nous voici, nous voilà pour du Flight Simulator. On va donc du coup reprendre tranquillement les streams. Hier, on a fait un petit peu un stream tranquille avec Neo sur Unsolved Case. Et du coup, là, cette semaine, on va prendre tranquillement notre temps avec du Flight Simulator. On va donc du coup partir ce soir de... si le jeu veut bien, merci, de... Beauvais, de l'aéroport de Beauvais. Direction donc du coup l'aéroport de Marseille-Provence tout en bas. Les conditions de vol sont automatiques, enfin on va dire sont liées on va dire à la météo actuelle. On va donc partir avec un Embraer 170, un nouvel avion que j'ai récupéré. Avec donc du coup la petite livrée Air France, vous verrez ça tout à l'heure. Donc du coup, ce soir on fait du Flight Simulator, demain on refait du Flight Simulator, mais cette fois-ci on fera Marseille-Genève avec le Cessna qui ne fonctionnait pas la dernière fois, on essaiera de le faire fonctionner mieux cette fois-ci, et aussi du coup, pourquoi en fait on fait du Flight Simulator cette semaine, c'est parce que la semaine prochaine il y a Starfield qui sort le 6, donc la semaine prochaine, mardi on refait un stream multijoueur avec Neo, et dès mercredi, on reprend les streams figés, on va dire. Où là, donc du coup, on fera du Starfield le mercredi et le vendredi. Et le jeudi, on reprendra les 2 heures de rétro avec donc du coup du Hitman 2. On fera donc du coup un jeu rétro par semaine. Sauf en fin de mois où ça sera du Flight Simulator. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de jeux rétro qui sont... En fait, j'ai beaucoup de jeux rétro que j'aimerais montrer, mais c'est des jeux rétro qui nécessitent de jouer plusieurs sessions. Donc du coup, des jeux rétro avec 2 heures, il y en a pas beaucoup. Donc je pense que du coup, mois de septembre, on va faire 3 streams rétro le jeudi, un stream Flight Simulator en fin de mois le jeudi. Et après, du coup, on repartira en octobre avec un Let's Play rétro qui sera sur Zelda Phantom Hourglass. En tout cas, reprenons donc du coup nos moutons. J'ai repris donc du coup mon petit papier. On va noter un petit peu tout ça. Alors, dans l'idée, on va donc du coup partir de, si ça veut bien, est-ce que je peux sélectionner un truc? J'aimerais stationnement. Porte, petite porte, on va l'appeler porte 1, ça fait où c'est ici, voilà, donc porte 1, alors il me fera aller tout là-bas pour décoller de là, un petit peu bête non, on peut pas décoller de l'autre côté parce que c'est un petit peu embêtant, piste 12, je peux pas décoller de l'autre côté, d'accord. On peut pas décoller de l'autre côté. Donc du coup, ça nous fait décoller comme ça. Ok, donc faudra que je regarde la météo, parce que j'ai la météo sur le côté. Faudra que je regarde la météo, du coup. Parce que, ok, ça nous fait décoller comme ça, et après ça nous fait partir, du coup, dans ce sens-là. Donc, en fait, ça nous fait passer au-dessus de Beauvais. Bon, on verra bien. Ensuite, donc du coup, CLM, nananana, et arrivé. Alors, c'est là l'arrivée qui est un petit peu bizarroïde. Donc nous l'arrivée c'est porte 9. Donc 1h38, sinon j'ai un 1h21 et un 1h17. 1h21 il fait quoi? Il fait un atterrissage par derrière du coup. Parce que là il me fait du coup un haut bagne. Et après on fait comme ça. Parce qu'après là on se met au niveau du truc tout ça. Le 1h21 il serait peut-être mieux. Quoique, on arrive là, ici, et on arrive là. Ouais, bah du coup, peut-être pas. On va reprendre peut-être le 1h07. Parce que le 1h21, en fait, il me fait vraiment le tour. Après, on pourrait faire 1h21. On pourrait faire le 1h21, ce serait un petit peu plus long. Et du coup, on arriverait comme ça, Miramas, et on atterrirait ici.
comme ça, là, et après on arrive. Voilà, on atterrit là, on sort et on arrive là. On va faire celui-là, tiens. On va prendre celui-là. Ça nous fait partir comment? Ah, ça nous fait partir au-dessus de Paris. Ah, bah c'est peut-être un petit peu mieux. Parce que du coup, ça nous fait moins tourner. Au lieu de faire un demi-tour, on arrive au-dessus de Paris. Vous voyez ma maison Nanterre. Donc le premier, c'est Resmi. Ouais, donc du coup, les points sont pas bons. Faut que je les réécrive. Faut que je réécrive les points parce que du coup, ils sont pas bons. Donc le premier, en fait, c'est Resmi. Et le deuxième, ça serait du coup Cotap. Cotap et Ketex. Je vais pas tous les noter. Hein, parce que bon. Cotap. Et après on arrive sur Ketex. Putain. Ok. C'est juste pour après vérifier si, si tout est bon au niveau du truc. Donc ça c'est bon. Ok. Donc du coup, on part donc du coup de Beauvais, LFOB, et direction Marseille-Provence, à bord de l'Embraer 170. C'est parti. Espérons que tout se passe bien. Alors je ne mets pas les pannes aléatoires, parce que du coup, ça sera pas utile. Et j'ai testé un petit peu les pannes, c'est un peu pareil au bout d'un moment. Donc, on va déjà piloter cet avion tranquille et après on verra pour mettre des pannes peut-être peut-être pour demain. Demain on mettra peut-être des pannes, quoique. Faut déjà que j'arrive à le faire démarrer ce Cessna. Mais bon. Alors, j'ai oublié la manette. J'arrive. Alors, du coup, j'ai normalement sur le côté les checklists pour l'Embraer 170. Donc l'Embraer 170, un petit avion tranquille. Donc voilà un Air France régional, un très joli avion. Donc c'est un petit avion, comment dire? Fabriqué par un bah du coup fabricant brésilien. Embraer est un fabricant brésilien. Donc oui, les Brésiliens font des avions et des bons avions aussi. Donc des bons petits avions et c'est plutôt intéressant. Blague à part, c'est aussi l'avion qui s'est crashé en Russie. Bon, c'est pas celui-là, mais c'est de la même marque. Alors du coup, on vérifie du coup si le GPU est off. GPU est off. Happy Gen, Happy Generator, Happy U, 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 Happy U. APU, il est là-bas, je crois. Windshield. Happy U Control est sur off. Ok. Battery 1 and 2. Battery 1 and 2 doivent être normalement sur off. Autopilot. Si. Fuel pump peut être sur auto. C'est cela. Fuel pump, quoique tout. Donc toutes les pompes doivent être sur auto. Emergency light sur off. Windshield wiper sur off. Hydraulic system 1 et 2 et pompe électrique 3B doit être sur auto. C'est là. J'aimerais zoomer s'il vous plaît. Alors, hydraulic pump, hydraulic system 1 et 2 et electric pump sur auto. Et electric pump sur auto. Pump 3B, c'est-à-dire auto. Hydraulic system 3 et pompe A sur off. Je suis en train de descendre, hein, je le sais. Donc ça c'est bon, c'est sur off. Attendez, j'arrive. J'ai ma chaise qui descend toute seule. Du coup, on disait Hydraulic System 3 et Elec Pump. Hydraulic System 3 va être sur off. Off. Ok. Tac, tac. Ok.
Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, landing gear down, oui. Power plant start stop 1-2. Power plant start stop power plant. Power plant start stop doit être sur 2. Doit être sur stop. C'est pas ça. Auto spoiler, non. Il casse faux. Pitch and roll, cockpit door control. C'est ça, power plant doit être sur stop. Ok, ils sont là, c'est ce que je me disais. Ils sont ici. Ok. Speed brake sur closed. Speed brake, 0. Thrust lever on idle. Et flaps, flaps 0, théoriquement. Là. Flaps 0. Ok. Ok, donc maintenant. Passons à nos mutants, comme dirait l'autre. Du coup, batterie 1 et 2 sur on ou auto. Hop, on, auto. GPU, on. APU, on. On, then start. Ah oui, waouh, tout était allumé, dis donc. APU off. L'APU, il n'est pas quelque part par là. Je crois que j'avais vu quelque part par là, parce que ah, il est là. Donc sur on. Qu'est-ce qui démarre? Oui, APU on. Ok. Ensuite, nav light. Alors, nav light on. Logo light on. Emergency light armed. Hop. Display. On vérifie si on a tous les displays. Ok, tout est bon. Parfait. Tout est bon. On a tous les displays. Ensuite, on vérifie si bon, ça c'est là, c'est bon. Ça, de toute façon, on peut pas, c'est une opérative. Air conditioned panel. On vérifie si l'air conditionné fonctionne. Mais bon, après, il fait pas. On va se mettre un bon 18 degrés. Allez, un petit 10... on va mettre 18 parce que bon, on va arriver à Marseille, il va faire un peu chaud. Hein. Bon, ça c'est bon. Alors, est-ce que s'il faut les activer les packs ou pas? Je crois qu'il faut toutes les allumer. Faut tous les allumer. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Alors du coup. Parce que maintenant qu'on a la PU qui tourne, la PU tourne, ouais, 100%. Ok, parfait. Donc, ça c'est bon. Ensuite, on vérifie le panel des masses pour vérifier que tout est ok. Donc. Oh putain, on est en train de bouffer du carburant à rien. Bon, on est à 50%. On va peut-être demander un petit refuel parce qu'on sait jamais. On va demander un refuel à 55%. Ça peut être suffisant. Bon, je fais pas 90 kilos, mais bon, c'est pas grave. Ok, tac, tac, tac. Ok, on a mis 55%, c'est pas mal. Alors, ensuite, le FB Grand Page. Mais je crois que je l'ai pas. Je l'ai pas sur cet avion-là. Ça, faut pas y toucher. Ça c'est bon. Ça faudra que je l'active, mais plus tard. Ok. Alors, on vérifie maintenant le FMS. Let's go. Alors, premier truc. On doit aller du coup dans nav. Nav, nav, nav. On doit aller dans nav. Nav next post init. Je suis aveugle ou je suis aveugle? Ah, ça il faudra le mettre. Ah ok, il y a petit astérix, hein, je l'avais pas vu, il y est pas. RTE. Alors RTE, donc route RTE.
Celle-là. Allez, GPS, ok. Menu. Aéroport. Initialisation. Bon, de toute façon, les waypoints sont déjà mis, donc on va aller directement à perf. Tailnumber, c'est optionnel. On va être runway 4, théoriquement. Alors. Il est où? Théo. Théo, 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 Théo. Mais j'ai pas perf init en fait. Là j'ai que take off directement. Donc en fait tout ça je l'ai pas. Tout ça je l'ai pas. Par contre, j'ai les trucs normalement. Il est où? Tiens, ça je vais le désinstaller parce qu'en fait c'est pas bien. C'est le checklist, on s'en fiche. Il est où le. Ah c'est le navlog. Non, c'est pas le navlog. Là, c'est où qu'on a les vitesses et tout ça? C'est l'objectif. Eh ben, tant pis. CRZ Flight Level. Mais ça, je les ai pas. Sinon, je suis censé les avoir là, en fait. C'est dans quoi? Checklist Navlog. C'est pas dans le Navlog? Bah non. Assistant de vol. Ah, c'est assistant de vol. Ok, donc on a V1. V1 118. On va dire une VR de du coup de 125. On va dire une V2 de 135. Au pire. Ça devrait être suffisant. S'il y en a une V1 de 118, allez, 125 en VR, ça devrait être pas mal. Et 135 en V2, ça doit être pas mal aussi. Donc, take off, enter, wind. Alors, ça, le wind, je l'ai pas. Wind, je l'ai pas. J'ai le flex température qui est de 20 degrés, ce qui est faux. Ce qui fait pas 20 degrés. Il fait 16. Il fait 16 degrés. Je le vois sur le côté. Ça devrait être bon, en fait. Bah ouais, ça m'embête parce que du coup, ouais, on n'a pas les vrais trucs, mais bon. Climb set transition altitude. Bah on l'a déjà mis. Bon, admettons. Ça, faudrait vraiment que je trouve comment ça marche parce que j'ai vraiment du mal avec le FMS. Vraiment du mal. Bon, l'altimètre, du coup. L'altimètre, normalement, on est à 10-11. Par contre, voilà, c'est ça que je veux. Allez. Tac, tac, tac. Ok. On est à 10-11 hectopascal, parce que je l'ai sur le côté. Ça, c'est bon. Ensuite, du coup, FD button on. Comme ça, on active donc du coup le flight director. Comme ça, lui, il est mis. Auto throttle off. Alors, auto throttle.
Là, off, c'est bon. Speed selector. Donc là, on doit le mettre à V2 plus 10. V2 a mis 135, donc il faut mettre 145. Parfait. Il était déjà mis. Ok. Donc ça, c'est bon. Heading bog. Il faut que du coup qu'on ait départeur, runway et heading. Donc ouais. Donc là du coup, heading bog, il faut du coup qu'on le mette au niveau des départures. Donc du coup on va partir. Je sais pas le. Il y a un verrouillage? Ok, bon on peut pas le tourner. Je ne peux pas le tourner. Ah ok, il faut l'activer pour pouvoir le changer. Ah, quelle jolie sécurité. Bravo Embraer, c'est bien. Donc normalement, on va décoller par là, d'après le truc, c'est ça. Hein. Non, quoique. On va décoller par là. Enlève le heading. On va décoller comme ça. Enfin, on verra. De toute façon, on le rebougera au pire, c'est pas grave. Altitude select. Pré-select cruise flight level. Ok. Donc, altitude. On avait dit cruise altitude à combien? Je crois qu'on avait dit. Ah, la cruise altitude, c'est 30 000 pieds. La cruise altitude, c'est 30 000 pieds. Ok. Ensuite, le toga button qui est normalement sur le manette. Alors, du coup, sur cet Embraer là, ce n'est pas les manettes. Le toga, il est ici. Donc là, on n'a pas à y toucher. Ça c'est bon. Sur celui-là, il n'y a pas. Par contre, il faut qu'on vérifie roll TO in FMA. Alors, j'ai speed heading, j'ai pas roll TO. Alors. Le truc, c'est qu'on n'a pas de bouton toga sur cet Embraer là, donc du coup, il faudra peut-être le faire manuellement. À moins qu'il y en ait un que j'ai pas vu quelque part. Je le ticasse. C'est le vertical speed, altitude select. Ok, non, bah du coup, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas du coup. PFD, FMD, donc ça c'est bon. Et transpondeur, bah, ça c'est bon. Ok. L'APU, on vérifie qu'il est on. Il n'est pas on. Maintenant il est on. Du coup, oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc, GPU off. Door and windows close. On vérifie donc du coup le cockpit door. C'est bien fermé. On va donc du coup appeler le flight attendant. Hop. Voilà. Auto break sur rotate. RTO. Passenger sign on. Beacon on. Tac, ignition 1 and 2 on auto. Ignition 1 and 2 on auto. Et ensuite, on appelle l'ATC. Bombay Tower Air France 111 IFR to province ready to copy. Air France 111 is clear to province airport as filed. Take off runway tree zero climb and maintain 7,000 feet. Departure frequency is 125.7 squawk 0356. Air France 111 cleared to province airport as filed. Take off runway tree zero climb and maintain 7,000 feet. Departure on 125.7 squawk 0356. Airbus Niner 81, you are 1,000 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 3,000 feet QNH 29.83. Air France 111 readback is correct. Contact ground on 121.4 when ready to taxi. Good day.
day. Non, je peux pas changer. Pushback. Beauvais Ground Air France 111 requesting pushback. Beauvais Ground Air France 111, no pushback tug is available to answer your request. Ah. Beauvais Ground Air France 111, could you please send the baggage? Air France 111 baggage is on the way. On va déjà faire ça quand même. Sinon on va partir sans les bagages, ça serait quand même un peu con. On n'a pas de pushback pour l'instant. Ah, c'est marrant, A320, A320. Et parce que j'ai un truc maintenant pour faire du walkaround. On va récupérer du coup les bagages et on va pouvoir du coup y aller tranquillement. Bonjour. T'es pas très centré, Michel. On va se remettre dans le cockpit. Du coup, donc ça sera runway 30 et c'est. Okay. On va attendre pour l'instant. Bon, tant que du coup ça fasse ça, j'aurais dû leur demander avant. Ryanair 4379er, wind 249er at 6. Clear to land runway 30. Regarde vite fait ce qu'il y a, mais. Clear to land runway 30, Ryanair 4379er. On va attendre hein, que tout se fasse tranquillement. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de pushback disponible. Donc. Pour l'instant. Pour l'instant, on a le temps. Après, le problème, c'est que s'il n'y a pas de pushback, on va peut-être devoir y aller à la mano. Ça va être un petit peu embêtant. Descend and maintain 3000 feet Airbus 981. Mais non, ouais. On va pas démarrer les moteurs. C'est fini. Beauvais Ground Air France 111 requesting pushback.
Alve, ground Air France, 111, no pushback tug is available to answer your request. Ryanair 4379er turn next taxiway. Bon, on va y aller, on va démarrer les moteurs, hein. Tant pis. Airbus 981, you are 400 feet below your assigned altitude. Climb and alors, engine 1. Start. Vérifie que le N2 augmente. Le N2 augmente. Le fuel flow doit être à. Donc, fuel flow doit être à 20% du N2. Et le ignition out doit être à 50% du N2. Je back. Et sinon, faut y aller. Il y a un reverse thrust, hein, on est bien d'accord. Ouais. On devrait y aller au reverse thrust, ça va être un petit peu embêtant. Engine 2. Mesdames et messieurs les passagers, start. Bienvenue à bord de notre vol. Nous attirons votre attention sur les consignes de sécurité que vous devez respecter lors de ce vol. Rangez soigneusement vos bagages à main dans les coffres à bagages. Vous pouvez placer des objets plus petits sous le siège de vous. De toute façon, pour l'instant, je peux même pas lui demander. Veuillez attacher et ajuster la ceinture de sécurité comme indiqué. Voilà, bon, la ceinture de sécurité attachée et visible jusqu'à ce que le signal de ceinture de sécurité s'éteigne. Lorsque vous en avez besoin, vous pouvez le libérer comme nous vous le disons. Avant le vol, le personnel de cabine livre les ceintures d'extension demandées en si nécessaire. Veuillez activer le mode avion sur vos téléphones portables et tous les autres appareils électroniques. Les téléphones portables et autres appareils électroniques qui ne disposent pas de ce système doivent être éteints. Avant de décoller et d'atterrir, éteignez tous vos appareils électroniques. Les smartphones, tablettes et autres petits appareils peuvent être rangés, mais les ordinateurs portables et les gros appareils doivent être rangés dans leurs étuis dans les bacs supérieurs ou sous le siège devant vous. Si votre appareil est perdu ou tombe à l'intérieur de la structure sécurisée, ne bougez pas votre siège. Appelez simplement un membre de notre équipage. Il est interdit de fumer sur ce vol, y compris les cigarettes électroniques. Il est également strictement interdit de fumer dans les salles de toilettes équipées de détecteurs de fumée. PO off. Tentez d'endommager ces détecteurs est sanctionné par la loi. En cas de dépressurisation dans la cabine, les masques à oxygène s'abaisseront automatiquement. Tirez le masque à de vous, placez-le sur votre main et votre bouche, tirez sur les sangles pour serrer votre masque et continuez à respirer normalement. Flaps. En cas de voyage avec des mineurs, mettez votre masque pour aider les mineurs. Là, ça s'en fiche. Assurez-vous que votre masque est bien ajusté avant d'aider les autres. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre et à l'arrière. Les panneaux de sortie vous aideront à les localiser. Identifiez la sortie la plus proche, elle se trouve peut-être derrière vous. On a pris le bac, on va au cas où. En suivant les panneaux de sortie et le chemin éclairé le long du couloir. On va y aller à la main droite. Pour assurer une évacuation rapide, veuillez laisser derrière vous tous les bagages à main, talons hauts et objets pointus. Vous trouverez un gilet de sauvetage sous votre siège. Retirer un gilet de sauvetage de l'avion est sanctionné par la loi. En cas d'urgence, placez-le sur votre côte. Ne gonflez pas votre gilet à l'intérieur uniquement lorsque vous atteignez la sortie. Gonflez votre gilet de sauvetage entièrement sur les cordes de l'avion en soufflant dessus. La lumière sur le gilet s'allumera lorsqu'il entrera en contact avec le bébé. L'équipage fournira des gilets de sauvetage pour les bébés. Mettez simplement le gilet de sauvetage sur votre bébé en cas d'urgence et gonflez-le immédiatement. Les portes de sortie sont équipées de toboggans autogonflants que l'équipage actionnera en cas d'urgence. Avant de décoller et d'atterrir, assurez-vous que la fenêtre est ouverte, que la tablette est fermée et que le dossier du siège est bien droit. Rangez le repose-pied, l'écran vidéo et le casque. Pour plus de détails,
Visez la carte de sécurité dans la poche de votre siège. Assurez-vous de suivre à tout moment tous les panneaux et instructions du personnel de cabine. Merci pour votre attention. Ça passe. C'était un faux avion. Et vous entendez, j'ai même rajouté, il y a des bruits, il y a des trucs, il y a plein de choses maintenant. J'entends les gens parler. C'est vrai qu'on n'a pas allumé le cockpit. Alors, du coup. Juste un press mode off, là, je regarde ce que c'est. Je suis en mode off. Ouais, je regarde. Alors, tout doucement, je vais en prendre. En fait, on a consommé déjà 1% de fuel. Je sais pas si vous le voyez avec la bière. Mais donc on a mis 5% de plus parce que c'était pas sûr qu'on l'ait le truc. British Airways là-bas. Un Ryanair là-bas, deux Ryanair. Donc du coup, qu'est-ce qu'on aura après? On aura donc du coup vérifié le toga sur le FMS, mais là il n'y est pas, parce qu'on n'a pas le mode toga en mode préparation sur celui-là. Ou alors j'ai pas vu. On l'a au niveau du truc, mais on n'a pas un bouton. Auto throttle devra être on, et sur arm, on vérifie bien qu'on est à 145 nœuds, c'était ça. EICAS, donc du coup c'est le cluster qui est là pour vérifier que tout est ok. Parking brake, on les enlèvera, parce que du coup on les remettra quand on enlève. Et TO config push and hold, alors normalement c'est un bouton, mais je ne l'ai pas trouvé. Atterrissage piste 30, le Ryanair. Il y a un Ryanair qui va atterrir piste 30. Donc on va avoir un petit temps d'attente. Airbus 981, you are 300 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 3000 feet QNH 29.85.
Donc une fois que donc ça ce sera quand on sera à l'arrêt, on fera ça. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on l'appelle. On dit oui, on est bon. Et pendant que on fait le truc, on met landing light on. Et après, take off. Celui qui devait être en... Oui, c'est ça. Celui qui devait atterrir piste. Okay. Salut! Ah, mais c'est de ma faute! Pas de ma faute. Mais complètement con ce... Ce contrôleur aérien. Bah évidemment. Il est complètement con ce contrôleur. Il accepte le Ryanair de d'atterrir, mais moi je dois passer dessus. N'importe quoi. Et c'est comme ça que t'as des accidents. Il aurait jamais dû autoriser le Ryanair à atterrir en fait. Ou alors il aurait dû me dire à moi de m'arrêter. N'importe quoi. N'importe quoi. Et tu m'étonnes qu'il a... est... Ça, c'est complètement con. Ouais, vas-y, atterris. Il y a Michel qui est sur la piste, mais vas-y, atterris. Ah, y a... ah, j'ai pas allumé la lampe là. Hop là. Ah, bah oui, c'est mieux. Parking break. Alors, auto throttle on 145. Oui. SIS. Ah, c'est pas maintenant en fait. Ça sera vraiment before take-off en fait. Ouais, donc ce sera vraiment juste avant. Donc en fait le truc est pas bon. En fait c'est, je pense que si on avait le mode Toga, il le ferait pas tout de suite. Mais vu que là on n'a pas le mode Toga d'actif, parce qu'il n'y a pas de bouton du coup, on est bien d'accord. Ah si là. Non, ça c'est les trucs de lui. Donc non, même pas en fait. Non, c'est trim. Non. Ok. Ok. Bon, bah, du coup, on va demander l'autorisation de décollage. Pas encore. Voilà. Donc là, il est en approche. Et après, il lui dit, non, mais c'est bon, tu peux atterrir. Ah non? En fait. Ryanair 9034, wind 269 at 5.
Elle est là. Clear to land runway 30 Ryanair Niner 034. Beauvais Tower Air France 111 ready for departure runway 30 IFR to province. Air France 111, hold short runway 30. Traffic is generic on final. That's it. On attend. On attend, on attend. Bah, du coup, on peut changer peut-être le heading. Du coup, le heading, il va pas être bon. Air France 111, please acknowledge. Hold short runway 30, Air France 111. Il arrive. Il arrive, il arrive. Il arrive, il est là. Bonjour. Bah, c'est pas du tout Ryanair, mais bon. Et hop. Touchdown. Bah, très bien. Très bien. On va attendre que. Elle me donne l'autorisation. Ryanair Niner 03 for exit runway when able. Air France 111, please acknowledge. Ah oui, j'ai même pas vu. Allez, on va se positionner. Pas trop besoin du weather théoriquement. Mais... Allez. Juste bien m'aligner quand même, et bon. Donc du coup ça c'est bon, ça c'est bon, tac tac tac. Donc ensuite on line up throttle 40%. De toute façon on s'en fiche parce que de toute façon on va le mettre en auto thrust et c'est parti. V1, rotate. V2. Petit right. Gear up. Terrain. Pull up. Ça c'est le GPWS qui se déclenche. Parce qu'en fait j'ai réduit le truc trop bas en fait, mais c'est pas grave. Terrain, terrain, chute, c'est bon. Terrain, terrain, pull up.
C'est parce qu'en fait, j'ai remis le truc trop tôt. Donc le GPWS s'est activé. Bon, c'est pas. Pas grave. Paris Center Air France 111 is at 5,000 feet, climbing 7,000 feet. Air France 111, Paris Center QNH, 29.85, continue at Oresme as planned. Air France 1380 climb and maintain 14,000 feet. Air France 111 climb and maintain flight level 190. Climb and maintain 14,000 feet, Air France 1380. Easy 8318, descend and maintain flight level 260. UPS 219er climb and maintain 12,000 feet. Descend and maintain flight level 260, Easy 8318. Easy 8318, descend and maintain flight level 220. Climb and maintain 12,000 feet, UPS 219er. Ok. Easy 8, Air France 111, did you hear my last transmission? Climb and maintain flight level 190 Air France 111. Air France 111, climb and maintain flight level 200. Ok. Lufthansa 1050 heavy contact, Paris Center on 118.00 donc. Good day. Climb and maintain flight level 200 Air France 111. 118.05 for Lufthansa. Alors, du coup, altitude mode 20,000 feet. Air France 1886 climb and maintain 12,000 feet. Air France 1350 traffic is 7 o'clock, 3 miles at 1,000 feet generic. Report them in sight. Air France 1350 climb and maintain 2000 feet. Alors là, on active du coup l'autopilote un petit peu dans tous les sens. Climb and maintain 12000 feet, Air France 1886. Air France 1886 traffic is 3 o'clock, 4 miles at 1900 feet generic. Report them in sight. Air France 7524 climb and maintain flight level 200. Air France 1886 climb and maintain flight level 260. Air France 1380 climb and maintain flight level 280. Alors là, je parle très peu parce que je suis en train de regarder en même temps. UPS 219er traffic is 9 o'clock, 2 miles at 14,400 feet. Voilà, le trafic, c'est l'UPS qui est en dessous. Air France 111 traffic in sight. Climb and maintain flight level 280, Air France 1380. Air France 111, traffic alert. 8 o'clock, less than 1 mile, 12,000 feet generic. Report them in sight. Générique. Ah, ça va être le Air France. C'est le Air France. Air France 111 have the generic in sight. C'est le Air France. Bon bah du coup on est bien. Pour l'instant ça va. On va remettre ça comme ça. Speed. Speed. 1350. Donc là on est toujours en climb phase.
l'instant, tout va bien. J'ai toujours du coup le press mode off. Je regarde ce qu'on a. Au niveau du système, donc tout ça c'est bon. Tac tac tac. 400 Hz. Oh là 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 là. 65 ampères. Eh ben tu m'étonnes, mon coco. Ouais, on a toujours les batteries. Il fallait qu'on les coupe les batteries ou pas hein. Et puis. Ouais. Climb, on vérifie ouais, que flaps tout ça. Ah oui, il faut auto break off, ça c'est bon. APU off, c'était déjà fait, on l'avait déjà fait, ça c'était bon. Ah oui, landing lights off. Pourquoi j'ai toujours l'APU on? Ah, c'est là-bas l'APU off. Flight level 270 Air France 111. 270. Easy 644, 6 heavy descend and maintain flight level 360. Descend and maintain flight level 360, easy 6446 heavy. Ah, c'est à pleine lune en plus, formidable. Alors, on est en train de regarder les systèmes. Bon, ça du coup c'est ok, hydraulique. Tout est bon. ICS. Cockpit 18 degrés. Alors que. Alors, on a mis 18 degrés. Et il fait 20 degrés. Bon. Ça va. Fuel, tout est bon. Flight control, tout est ok. Anti-ice. Pas besoin. Status. Oil level. Co-oxygène, on est bien. Ça c'est dehors, il fait 1 degré. Ok, bah tout a l'air d'être en ordre. Tout a l'air d'être en ordre. C'est vrai que je peux le mettre en nav mode, et du coup il va suivre comme ça les le plan. Ça sera déjà ça sera nettement mieux. Ah bah oui, c'est Charles de Gaulle. En fait, on passe, comme on disait, on passe au-dessus de Paris. Donc du coup, c'est Charles de Gaulle.
Alors par contre, il n'y a pas du tout de lumière du cockpit. Ah voilà. C'est mieux, parce que sinon on voit que dalle. Donc là, t'as les auto-spoilers. C'est le terrain. Range. Ground positive, oui, GPWS. Le fameux système qui a fait warning, terrain. On va arriver à 27 000 pieds. Flight 350. Climb and maintain flight level tree 50 Air France 111. Climb and maintain flight level tree 60 Danu 149 2. Allez, on monte tranquillement et puis on va être tranquille, hein. Ça va se faire. Hein. 35 000 pieds. Légère turbulence. Descend and maintain flight level tree 60 Eurowings 9559. Altitude all flight path angle. Et là, c'est quoi? Hein? Quoi? Oui? Allô? 118.05 Air France 111. Ok. Paris Center Air France 111 is passing flight level 300, climbing flight level 350. Air Algérie 1008 descend and maintain 10,000 feet. Air France 111 Air Center. Eurowing là-bas, Ryanair là-bas, DAH, je sais plus ce que c'est. Que je cherchais. Il n'y a pas de lumière dans la cabine, tout le monde dort. Hein. Il n'y a pas de lumière dans la cabine, tout le monde dort.
Il n'y a vraiment pas de lumière dans la cabine ou c'est moi qui les ai pas mis? Ça, c'est l'air conditionné. Keep speed not above tree 00 knots. Expect ILS runway 26 left approach via Bannox transition. Clear to Bannox Air France 741. Ouais, pas plus. Hein. Masque deploy. Bronk. 2863 contact Paris Center on 125.7. Good day. Air France 7411 contact Paris Center on 125.7. Good day. 125.7 pour Ryanair 2863. Bon, on avance tranquillement pendant ce temps-là. 125.7 pour Air France 741. Ça c'est bon. Descend and maintain 17,000 feet, Boeing 8016. Parce que la descente, ouais. Air Algérie 1008 descend and maintain 2,300 feet. Air France 7411 descend and maintain 17,000. Oh, on avance tranquille pendant ce temps-là. Tranquillou, on monte tranquillement à 35 000 pieds, on a un KLM derrière nous. De toute façon, dès qu'on va level off, théoriquement, on va augmenter de vitesse. Là, on est en climb, donc forcément, on a donné un peu plus de puissance. Je vais me chercher à boire pendant ce temps-là. J'arrive. Là, heureusement que je lui ai dit waouh, j'arrive et puis je vois qu'on me demande des trucs. Altitude select 370. Allez, donc j'arrive, on me demande des trucs. On a 380 alors du coup. Ah, y a un avion là-bas. On a un Air France ici. On a un EasyJet qui va nous passer derrière. Ouais. Ah quoi que. Non, coupé Airbus, c'est les EasyJet. Ouais, t'as un off Air France à 28 000 pieds, bah dis donc. C'est la bataille, hein. LFMT. Ah ouais, 25 000 pieds, 25 000 et 28 000, bah dis donc. Tranquille pour l'instant.
C'est plutôt tranquille. Condor 147 Niner, heavy descent and maintain flight level 360. Est-ce qu'on a d'autres trucs? LV. Levier, lever asymétrique. Ah non. Ok. Descend and maintain flight level 360 Condor 147 Niner Heavy. Easy 1630 descend and maintain flight level 360. On est déjà à 38% de fuel. Ah, wow. Bah, on a, heureusement qu'on a mis les 5% de plus, hein, on serait à 35, là. Enfin, moins de 35. Normalement, on arriverait à 21h59 Zulu. Normalement. Donc, ça veut dire donc. Alors, si c'est Zulu, ça ne veut rien dire. Et si c'est Zulu, c'est à dire qu'on arriverait 23h du coup. Pas vraiment mis en standard, donc, poser un petit peu de problème, mais bon, minimum. Ouais, en fait, ici, okay, emergency, ça ne me sert à rien. En fait, il y a pas mal de trucs qui ne sont pas disponibles. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme bouton, parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Il y a un petit peu de bruit, hein. Il va 1 2 4 0 5 generic 0 7 5. Bon bah tout est dans l'ordre, hein. On regarde un petit peu de temps en temps s'il n'y a pas des petits trucs qui nous paraissent bizarres, mais tout est bon. Jolie Air France régionale. Bah, c'est sûr que du coup, oui, là, ça fera beaucoup de trajets de nuit, hein, pour être honnête, parce que du coup, bah, forcément, d'une part, il commence à faire nuit. Donc, ce sera beaucoup de trajets de nuit. Et j'essaierai en fait de faire des trajets, par exemple, le dimanche après-midi. Comme ça, on aurait un vrai trajet de l'après-midi et peut-être faire des grandes distances. Par exemple faire du Paris-New York typiquement, sachant que je peux peut-être récupérer le Concorde. Le problème c'est qu'il coûte cher, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire le Paris-New York au Concorde. Ça peut être rigolo.
Et ça, faudrait le faire un dimanche après-midi pour avoir vraiment le temps. Le Concorde avion supersonique, donc du coup tu peux faire, je crois, Paris New York, je crois que c'était en 3 heures, non, je sais plus. C'était déjà. Good day. Over 303 heavy Paris Center. Continue at Anoko. Déjà Marseille Center. 130 décimal. Et c'était ça en 3h30. Marseille Center Air France 111 flight level 370. Air France 111 Marseille Center. Continue as planned. Donc ça peut être légère turbulence. Je sens des légères turbulences dans l'avion, ça secoue un petit peu. C'est pas grave. Ça arrive. 200 km donc. Espérant avoir assez de fuel. Je sais pas pourquoi il était disparu. Blink, 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 blink. Donc du coup demain ce qu'on fera c'est un... Du coup c'est un vol en jet privé avec le Cessna qu'on devait utiliser, le CJ4. Mais qu'on n'arrivait pas à démarrer. En espérant que là ça aille mieux et qu'il n'y ait pas de problème. On verra ça. En tout cas, ça va être vraiment cool la semaine prochaine de commencer Starfield parce que, en vrai, vraiment j'ai hâte. Parce que bah, j'adore les jeux de chez Bethesda. En fait, j'adore les Elder Scrolls et j'adore quand même Fallout 3 et Fallout 4. En vrai. Faut quand même se dire Fallout 4 est quand même très bien et Skyrim évidemment on ne le présente plus et du coup je pense que un jeu Skyrim mi Skyrim mi Fallout dans l'espace, ce qui serait donc du coup Starfield, je pense que ça peut être vraiment bien et d'après donc du coup Phil Spencer, donc PDG de la branche Xbox, qui lui a pu y jouer une centaine d'heures, dit c'est plus du Oblivion que du Skyrim. Ça, il y a plus de Oblivion que de Skyrim, mais du coup avec quand même des éléments de personnalisation, etc.
Et du coup, ça peut être vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. C'est vrai qu'on voit, on voit rien du coup. C'est ça. On les a vus, c'est le jet. Laissez-moi le temps de répondre. Laissez-moi le temps de répondre. Air France 111 traffic in sight. Du coup, niveau carburant, on en est où? Bon, on est dans le jaune au niveau des deux tanks, mais bon. La température est de moins 55 degrés dans les dans les tanks. Je sais plus, dans les réservoirs, voilà. À 30% de fuel global. Fils, il n'y a pas un truc qu'on peut couper, mais en fait non, tout est coupé de toute façon. En vrai, je pense qu'on arrivera à 20% de d'essence. C'est pas suffisant. Ça tremble un petit peu, hein. On a des petites vibrations. C'est beau toutes ces villes, hein. Tous ces... Toutes ces villes illuminées la nuit. Le problème, c'est qu'on a pris le chemin le plus long à faire le tour. Est-ce qu'on aura suffisamment de fuel pour tout faire? Il y a du coup 84 km. Mmh.
first idle. Moi, je laisse faire, hein. Je laisse l'autopilote faire. Hein. C'est vrai que ça doit faire bizarre. D'un seul coup, t'as l'ordinateur qui se dit, allez hop, et tout au plus bas. Comment ça? Ah, parce qu'en fait, on a réduit en la vitesse. Donc, vu qu'on est passé de 300 quasiment à 240, bah, du coup, hop, on baisse. Bien, ça va nous faire réduire notre consommation. Au moins, ça ne vibre plus. Ouais. Ah, non. Je sais que c'est lui, mais non. Ah. On a Ryanair qui est derrière aussi. Ah, laissez-moi répondre en premier, s'il vous plaît. J'espère qu'il y aura suffisamment de... Oh. Petit coup de vent. Et à d'avoir du vent en fait... Donc il nous tapouille gentiment. Alors... Est-ce qu'il y a du vent Non, pas tant que ça, il n'y a pas beaucoup de vent à Marseille. Je prépare quand même ma fiche, on ne sait jamais. Je vais couper la lumière parce qu'en fait ça me fait... Vu que là c'est assez sombre, ça me fait. Ah, mais en fait je vois mieux sur cet écran là. Parce que le gamma doit être défoncé. Eh hey, pourquoi je suis semi-transparent? Bon. Bah dis donc. Bah. Depuis quand je suis semi-transparent? Ah, mon maillot noir il est. Okay. Depuis quand je suis semi-transparent, j'ai jamais fait attention. Ok, donc après, on va tourner, c'est ça.
climb 376 6 heavy descent and maintain flight level 360. Keep speed not above 250 knots. Est-ce qu'on est à 26% de fuel? Bon, ça va. Bon, ça va, on y arrive bientôt en fait. Ça va encore. Hein. Ouais, c'est ça qui est prévu, c'est qu'après on fait ça et on descend comme ça en fait. Ouais, ça va, on y arrive. On y arrive, hein, tout doucement, mais on y arrive. Eh ben, en fait, le ETA. Il est pas en Zulu. C'est pas possible. Donc ça sera bien 22h heure en fait, heure locale en fait. 22h03. Ce serait normalement dans 5, allez, on va dire dans 5 minutes si on prend notre temps. Possible. Possible, possible. Possible, bah dis donc, pas mal. On va pouvoir faire un atterrissage tranquille. Là, ça aura pas été si long que ça. On va faire un atterrissage tranquille. Plutôt cool. Alors, en vrai, j'aime pas trop un brayeur. Ça va faire très... Je dis du mal de Boeing, je dis du mal d'un brayeur, mais je dis pas du mal de Airbus. Non, en fait, c'est un avion qui est très simple. C'est-à-dire que vraiment, là, y a pas de fioriture. Le truc que j'aime pas trop, entre guillemets, c'est vraiment l'aspect écran tactile. Sur les Airbus, c'est encore des dials, et en vrai, c'est plus responsive, c'est plus direct. Là, par exemple, si je veux faire ci, ça, par contre, un des avantages, c'est que oui, si tu veux avoir accès au système, c'est beaucoup plus simple. Le plan, c'est beaucoup plus simple. Mais le problème, il est là, c'est que, par exemple, si là je veux revenir en approche mode, là j'ai plan, et là d'un seul coup, il faut que j'aille après dans le menu map, puis après approche. C'est un petit peu, bon. Ah oui, c'est soit, oui, c'est vrai, c'est soit weather, soit terrain. On va mettre terrain parce que c'est vrai qu'il y a des trucs. Flight level, normalement, 19.5, normalement. Est-ce qu'on demande déjà de... Une réduction de 7000 pieds, déjà. Marseille Center Air France 111. Request flight level 300. On va descendre tranquille. En prévision déjà de la descente. Alors du coup, pour prévoir déjà la descente. Bon, ça du coup, approach briefing, c'est bon. Landing data. Oui, oui, j'ai copié. Descend and maintain flight level 300 Air France 111. Ça c'est bon, tac tac tac. On est en descente. On va descendre tranquillement. ALS Frequency, ALS Course. Alors le truc c'est que l'ALS on peut pas vraiment le contrôler. La fréquence de l'ALS. Donc pour l'instant, bon, on le fera normal. Auto break.
Alors, vu qu'il fait sec, on va peut-être le mettre juste à 2. On va la mettre à 2, l'auto-break. Donc on sera à 10 000 pieds, on mettra landing lights on, logo lights on l'a laissé, passenger sign on. Et après on changera donc du coup le... l'altimètre. Et après bah, de toute façon on va se mettre tranquille. Derrière. Là-bas, on a la côte. Là, on descend tranquille. En plus, on réduit la puissance, on va dire, des moteurs vu qu'on veut descendre. Donc, en plus, ça va nous faire économiser du carburant. Donc, tout ça, c'est parfait. Donc, ça sera à 10 000 pieds qu'il faudra après voir le reste. Je l'avais vu avant. Il est là-bas. Là-bas, on a un aéroport aussi. Là-bas, il y a un avion. De regarder à régler mon écran aussi. En fait sur cet écran là je vois mieux que ici. Okay, donc là on arrive à nos 30 000 pieds. Là on arrive au-dessus de la mer. Et en fait normalement le l'aéroport doit être pas loin par là du coup si je... Ouais il doit être bah, littéralement là. Donc pareil on va réduire de 10 000 pieds. Request flight level 200. Airfrance 111, descend and maintain flight level 200. Descend and maintain flight level 200, Airfrance 111. On descend tranquillement, on va descendre progressivement 30 000, 20 000, bon là c'est marqué 17 000 mais bon on va le faire un petit peu nous-mêmes, on va dire là c'est conseillé 17 000 mais on va pouvoir le faire nous-mêmes, c'est pas grave. Là, le temps qu'on descende jusqu'à 20 000 on arrivera là-bas. Donc, on va descendre tranquillement. Et bien c'est que point positif
de l'Embraer, l'autopilote, il est royal. C'est-à-dire que là, je lui dis moins 1800, mais il voit que par exemple, en termes de vitesse, c'est pas top. Donc, il nous refait accélérer pour gagner de la vitesse, puis ensuite nous refait redescendre, et ainsi de suite. Ainsi de suite. L'autopilote, il est vraiment, vraiment très bien. Voilà, par contre, il nous fait un moins 2000. Ouah. Mais il a l'air d'être quand même très bien en termes de trucs. Alors là, du coup, on est en approach phase, QNH. QNH, on est à 10-10. QNH, température 21. Mag wind 9 knots. Alors en degrés, on est à, je l'ai plus, 300 et 9. Non, 300. Tu mets 309. 300. Ah, faut que je pire avant. Ah, peut-être que je mette un slash. Ah oui, 300 slash 9. Voilà. Trans altitude, je vois pas parce que je l'ai là-bas. 5000, ok. Vitesse d'approche 122, ok. ALS théoriquement 13L, théoriquement. MDA je sais plus et DH je sais pas. DH j'en sais rien. Mais au moins on a la vitesse d'approche qui sera de 122 et 115. Ok. Landing configuration 3. Vérifie quand même si ça c'est bon. Ça c'est ok. Alors. Pour l'instant on n'est pas encore à 10 000 pieds. Donc là on a 17 000. Flight level donc 19 000. Donc on remonterait un petit peu. On va rester du coup sur les 20 000. Et après on passe à 15 000 et après à 7 000. Ok. On va demander de descendre un poil plus vite. Marseille Center Air France 111. Request 10,000 feet. Descend and maintain flight level 200. Expect 10,000 feet Air France 111. Okay. Ah mais on l'entend plus l'ATC. Ah ça c'est con par contre. On n'entend plus l'ATC. Descend et maintain 10,000 feet Air France. Ah bah ça arrive les petits bugs. Du coup, landing lights on. Landing light on, strobe light on. Taxi light on,
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Landing light on et logo light. Ok, donc c'est tout. Il y a eu le passager seatbelt, mais on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé à 10 000 pieds. Alors maintenant, le TA est à 19. Le temps du coup qu'on arrive. Il y a du vent, hein. Ça t'engouille un petit peu. Il y a du vent. On est à 21% de fuel. Ah bah allez, pas s'inquiéter. Aucune raison de s'inquiéter. On va arriver avec 15% et puis voilà. Aucune raison de s'inquiéter. Alors, quand on sera là sous les 10 000 pieds, il faudra bien lui dire de pas se mettre. Là, il s'est mis à 140. C'est 250 en. Il fait tout tout seul, donc on va laisser faire tout tout seul, mais c'est vrai que ça sera 250 en vitesse. Pour l'instant, il le gère tout tout seul. Donc pour un ILS landing, il faudra donc du coup avoir le localizer. Donc on approche à 3000 pieds au-dessus du landing, à peu près. Normalement, on doit avoir l'interception du localizer, flaps 3, du coup. Et une fois qu'on a intercepté le localizer, on appuie sur le bouton approach mode. Et on vérifie que le mode lock est green et que JS est blanc. Et une fois qu'on atteint le glide slope, flaps full, et on se met à la vitesse d'approche qui sera de 122. Et à environ 1000 pieds, gear down, auto break. Donc là, je l'ai mis à 2 déjà. Et speed, vitesse d'approche. Ok. Bah, on va essayer ça. Hein. Du coup, le problème, c'est vu qu'on appuie les trucs, je les vois pas, moi, si ça demande. Si ça demande des choses, je le vois pas. On va arriver à 10 000 pieds. Fasten seat belt, s'il vous plaît.
Voilà, on est bien au-dessus de la Méditerranée. Hein. Bonjour. En tout cas, la lune. La pleine lune qui nous sourit, qui nous donne de la lumière. Il veut aller à 8000 feet. C'est 10 000. Fait peur ce con. L'autopilote là qui a voulu nous tuer, j'ai rien dit. L'autopilote est merdique, c'est l'embrayeur. Il a voulu nous tuer, quoi. Alors ça, à mon avis, c'est quand j'ai passé la main pour changer la vitesse, ça a dû bifurquer sur le côté pour mettre 8000. Et en désactivant le vertical speed, il est resté comme ça, ad vitam aeternam. On va remonter, parce que du coup, théoriquement, je dois pas être là. Climb and maintain 10,000 feet, air rate 111. On va remonter. Eh ben donc, on était parti en nose dive, mais à fond. Oh la vache. Ok. On tourne normalement. Marseille Center Air France 111. Request 7000 feet. Climb and maintain 7000 feet Air France 111. J'ai un caution. Peut-être parce qu'on est dans le rouge en termes de fuel tank, c'est possible. C'était possible. Peu de vent là, ça tangue un tout petit peu. Ok, alors revenons à nos moutons. Normalement, ça va être 250 nœuds, mais bon.
Ouais, si je peux pas changer le truc de speed parce que sinon ça tangue dans tous les sens. Je peux pas le changer. Mais bon, on va le laisser au pire en mode. Ouais, je peux même pas toucher la manette. Si je la pousse, si elle revient. Tranquillement, je fais on off parce que j'avais l'impression qu'elle tournait pas en fait par rapport au flight plan, vu que du coup je l'ai forcé un petit peu à redécoller. Il était sans doute plus activé normalement. Allez, ça va aller, ça va aller. Par contre, on n'aura qu'un seul essai parce que je pense qu'on n'aura pas assez de jus pour repartir au cas où, quoi. Ce qui est un petit peu chiant. Un petit coup. En tout cas, on a l'air d'être tout seul. Plutôt bien, hein. On a l'air d'être tout seul. Center Air France 111. Request 6,000 feet. Descend and maintain 6,000 feet Air France 111. On va descendre tranquillement à 6000 pieds. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait rien de plus en fait de toute façon. Non, on n'avait rien de plus à part ça. Ouais. À part du coup que environ à 3000 pieds au-dessus du coup de l'elevation. Voilà. Flaps 3 et ainsi de suite et ainsi de suite. J'espère juste qu'il va me le noter lui parce que bon après il peut rester là hein, le point mais bon tant que l'avion le détecte comme étant fait. Alors du coup One two one
decimal for tree for airfrance 111. Province approach airfrance 111 6000 feet. Le problème c'est vu que je l'entends pas, je... Maintain present heading and altitude, expect vectors, visual runway tree 1 left approach airfrance 111. Je vais faire un vol à vue. Il n'y a pas d'ALS? Ah, mais s'il n'y a pas d'ALS, au pire, on s'en fout alors du coup. Réduire tranquillement alors du coup. Qu'est-ce qui branle? Autopilot. Il y a un petit roller coaster. This is flight simulator, Microsoft Flight Simulator. And the Embraer is I don't know. I don't know anymore. I think it's virtual call. I think it's virtual call. I don't remember. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point d'atterrir à l'aéroport de destination. Assurez-vous que la fenêtre est ouverte, que la tablette est fermée et que le dossier du siège est complètement droit. Rangez le repose-pied, l'écran vidéo et le casque. Attachez et ajustez la ceinture de sécurité. Merci. Il est par là, lui.
Oh, et... Parce que je vois que le BEL il est là-bas donc il me dit d'aller par là lui. Que le waypoint est là-bas et que. Alors, le problème c'est vu que j'ai un bug de truc, je sais même pas s'il me parle en fait. Province approach Air France 111 is type 10 miles south of province 3500 feet. Request flight following. Ah oui, non, mais voilà, parce que du coup, j'ai pas répondu. Roger Air France 111. Province approach Air France 111 9 miles south of province request IFR to province ready to copy. Mais vu que je l'entends pas. Ah mais c'est là. Mais. Hein? Mais. What the... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait faire? Continue to Saucer turning and following, heading 195 climb and maintain 13,000 feet Air France 111. Qu'est-ce qu'il me fait faire? Maintain present heading and altitude. Expect vectors visual runway tree 1 right approach Air France 111. Mais moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'il me fait faire? Alors là, il me fait aller par là, par là, par là. Bah oui, la piste elle est là. Il fait aller là-bas. En plus, je disais, voilà, faire en une fois parce que. Mais là, le problème, c'est que je comprends rien à ce qu'il me fait faire en fait. Là, il me fait retourner là-bas. Ok. Il me fait retourner là-bas. Là, je comprends pas. Là, je vois pas donc je sais pas. Et on voit pourquoi il me fait repartir par là quoi. Après, bon, je peux juste faire demi-tour et puis aller. Voilà, on va faire ça. On va voir ce qu'il me propose après. Mais... Right, 215.
Turn right heading 215. Comment ça, je dois monter à 13 000 pieds. Il peut y avoir assez d'essence au bout d'un moment. C'est pas là où on va. Hein. C'est chiant ça de plus avoir de son bug qui est chiant. Ah bah donc. Approach airfence 111 is at 9,600 feet, descending 2,000 feet. Province approach airfence 111 requesting vector to next waypoint. Turn left heading 070 airfence 111. Decimal 5 airfrance 111. Marseille Center airfrance 111 is at 8,400 feet, descending 2,000 feet. Merde, putain, je l'ai dépassé. 121 decimal for tree for airfrance 111. Province approach airfrance 111 is passing 7,900 feet, descending 2,000 feet. Province approach airfrance 111 requesting vector to next waypoint. Gauche 70. Turn left heading 070 airfrance 111. Droite parce qu'en fait je suis pas à 0,70.
Province approach Air France 111 requests destination change to Province. Air France 111 cleared to Province Airport is filed. Squawk 5326. Turn left heading 340 climb and maintain 15,000 feet Air France 111. Mais qu'est-ce qui me... Mais eh, non mais ils veulent que je tombe en panne d'essence, c'est pas possible. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qu'ils me font faire? Je fais ça depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils me font faire? Et je comprends rien à ce qu'ils me font faire. Je fais ça, je fais ça, je fais. Je vais à 15 000 pieds, genre descends. Je... Mais tu m'étonnes que. Tu m'étonnes qu'il y ait des accidents d'avion. Monte à 15 000, descends à 2 000, fais. N'importe quoi. N'importe quoi. Et gère les communications avec la TC ou si ça me pète les couilles. Qu'est-ce que c'est que ce délire de me faire... Ça me... Là, je suis exténué. Bon là du coup dans la vraie vie on se serait crashé parce que je ne comprends rien. On me dit monte, descend, tourne. C'est waouh. On était tout droit d'un seul coup, on nous dit tourner de machin. Eh. C'est affreux. Affreux, affreux. On était bien, on a bien volé. Et là, d'un seul coup, on nous demande de monter, de descendre, de tourner, de... Oh la vache. C'était hallucinant. Je comprends pourquoi il y a parfois des avions qui se crashent, hein. Et pourquoi il y a une heure de retard par avion, hein. Si t'as les contrôleurs qui te disent de monter, de descendre, de tourner, de... Et c'est tout droit, pourquoi tu me demandes de monter, de descendre, de tourner, de... Laisse-moi aller tout droit, pourquoi tu me demandes de faire demi-tour? C'est... n'importe quoi. Alors, on était à combien? 2000 pieds. Allez, hop. On reprend. On va ralentir un petit peu quand même. Ah non, mais... On a... N'importe quoi. Là, là vraiment, je sais pas ce qui est arrivé au contrôleur, mais alors là, ça me rappelle la fois où on était arrivé à Londres. La piste, elle est là. On me demande de faire trois fois le tour de la piste avant d'arriver. Mais la piste, elle est là. Dis-moi juste d'atterrir, c'est bon. Alors, flaps 3. Landing gear. Landing gear. Je sais.
Gear down. Free green. Auto break 7, on va le mettre à 3 parce qu'on sait jamais. Flaps full. Climb and maintain 2,000 feet airfrence 111. 400. C'est vrai qu'on est un peu bas. Bonjour les gens. Airfrence 111 has the runway in sight. Ah bon? Turn left, heading. Ah oui, là-bas. Airfrence 111. Province Tower Airfrence 11112 miles southeast inbound visual runway tree 1 right approach. Cleared visual runway tree 1 right approach Airfrence 111. Ah non, mais là j'ai des trucs j'ai pas compris hein. La runway elle est en face et on me dit de faire demi-tour, de faire machin, de monter à 13 000, de descendre à 2 000, de remonter à 15 000. Rien qui va. Rien qui va. Surtout avec 13% de fuel. Mon copilote me dit qu'on a la runway en vue, moi je la vois pas. Très clairement, moi je la vois pas. Ah oui, là. Ok. On va tourner un petit peu. Oh là 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 là. To land runway tree 1 right airfrence 111.
c'est vraiment là. Là, l'accident, c'est vraiment les contrôleurs qui ont fait n'importe quoi. Hein, parce que. Là, vraiment. Quand on te dit de monter à 15 000 pieds, puis de redescendre à 2000 d'un seul coup, puis de remonter à 13 000, puis de redescendre à 2000, tu fais, non mais attendez, c'est montagne russe en fait. Minimums, minimums. Derrière. On a la limite du stalling. Beaucoup trop bas, hein, mais bon. Descends tranquillement. Full reverse thrust. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de destination. Veuillez garder votre sécurité attachée et ne vous levez pas de votre siège tant que l'avion n'est pas complètement arrêté dans le terminal. Nous quitterons l'avion dans l'ordre. Eh ben dis donc. N'oubliez pas que le contenu du porte-bagages supérieur peut bouger pendant le vol. Soyez prudent lors de son ouverture. Passagers en transit avec une correspondance vers une autre destination. Merci de vous présenter au comptoir de la compagnie aérienne à cet aéroport. Notre personnel se fera un plaisir de vous aider dans le processus. Le capitaine et l'équipage de ce vol, nous vous remercions de voler avec nous. Taxi nous light vous souhaitons un bon séjour. On... bon séjour à Marseille. Ah oui, donc, pour les survivants. Ah non, mais là, on était tout droit. Et encore, on était tout droit, pas au bon endroit. J'ai pas compris. Pourquoi ça me disait d'aller à un endroit alors qu'en fait c'était pas le bon. 121.905 Air France 111. C'est pas moi qui vais le gérer parce que. Province ground Air France 111 taxi to the gate. Taxiing to gate Charlie 48 Alpha via taxiway Delta 2 Charlie 3 Charlie 4 Golf 2 Golf 1 Air France 111. Aïe aïe aïe. C'est vrai que j'aimerais à la base. Hop. Démarrer la PU. APU, ok, transpondeur c'est bon, weather radar off, c'est pas grave, radar trim sous 0, les water trim 0, auto break c'est auto off, flaps 0, taxi light on, landing light off, strobe light, je l'avais enlevé. Ok. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai désactivé les collisions pour une bonne raison, c'est que dans Flight Simulator, moi je vous conseille de désactiver les collisions. C'est dans le menu. Parce qu'en fait, si vous effleurez une feuille sans faire
copier l'illustre JDG, mais c'est véridique. Vous frôlez une feuille, c'est game over et vous recommencez tout depuis le début. Il n'y a pas d'autosave, il n'y a pas tout ça dans Flight Simulator. Donc, si vous effleurez une feuille et que vous mourrez, là, typiquement, par exemple, on meurt, on recommence tout depuis le début. Donc, j'ai vite désactivé ça parce que je me suis dit, mais si un jour je veux juste faire le zouave, juste comme ça, là, je me trompe d'un truc, etc., tout recommencer, ça m'embête. Donc, c'est pour ça que j'ai désactivé le, j'ai désactivé ça en fait. Donc oui, là on a rebondi sur l'eau, mais en vrai on aurait sans doute dû. Sans doute dû recommencer. Voilà l'autre. Mais ouais, c'est là vraiment. Là, c'est vraiment les contrôleurs ont voulu ma mort. Hein, parce que on arrive tranquillement tout droit. D'un seul coup, on me dit d'aller d'un côté, alors qu'en fait, l'aéroport est par là. Puis après, on me dit de faire demi-tour. Puis après, de monter à 13 000 pieds. Puis à redescendre à 3 000. Et puis à remonter à 15 000. Et après, redescendre à 2 000. Pendant ce temps-là, je vérifie les communications et tout. Donc, je vois pas que je suis en train de piquer du nez. Ah oui, c'est ils ont voulu me tuer. Hein, très clairement. Là, les contrôleurs ont voulu me tuer. Et du coup, on est arrivé avec 30 minutes de retard, voire même 40 minutes de retard, parce que n'importe quoi, les contrôleurs qui ont voulu... Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin... Pourquoi ? Un full bug total. Ok, parking brake on. Hop, thrust lever on idle. APO, GPU on. Power plant start on stop. Et voilà. Donc là, il y a eu le petit lag entre guillemets parce qu'en fait, presumption sign off, beacon off electric pump 3A off electric pump 3A off personal light off et ensuite une fois que tout le monde est sorti, battery off. Et voilà. Et ben voilà. Nous voilà terminés. Est-ce qu'on peut avoir le truc ou pas? Tout compte fait? Non, on peut pas avoir le. Tant pis. Et ben voilà. Je vais remettre OBS. Et ben voilà, c'était un bon vol. Problème du coup, oui, forcément, petit souci avec les contrôleurs. Je sais pas pourquoi ils m'ont demandé de faire le roller coaster à la fin. J'ai pas vraiment compris. En tout cas, nous voilà arrivés donc à l'aéroport donc de Marseille-Provence. Demain, on se fera donc du coup. À partir de ce même aéroport, un départ direction Genève, avec donc du coup cette fois-ci un Cessna. Théoriquement, ça sera du coup plus court. On verra après si on fait pas autre chose, un petit tour en hélicoptère autour du lac Léman, où on verra si vraiment ça,
c'est trop court, on fera peut-être ça. Ça peut être intéressant. Donc à partir de Genève, et puis on fait le tour du lac Léman et on revient. Ça peut toujours se faire. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube Metroid02, à vous abonner au compte Twitter Metroid02 Stream, et surtout à follow la chaîne Twitch, c'est très important. On se retrouve donc demain pour du Flight Simulator, cette fois-ci avec un jet privé direction Genève. Et sinon, donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour moult jeux, notamment du Starfield et donc du coup du Hitman 2. Et mardi, on se fera donc du coup la suite de Unsolved Case avec Neo. Je vous en dis pas plus, je fais tomber mon stylo, c'est génial. Et on se retrouve demain pour du Flight Simulator ou la semaine prochaine pour du Starfield. Allez, ciao.